le point de radio Télémétropole. Le deuxième groupe d'invités est avec nous. Vous le savez tous que l'événement de la semaine, c'est l'organisation de ce sommet international de la finance, le 8e sommet donc. Et pour en parler, pour continuer à en parler, nous accueillons Cathy Flore Fizemé, qui est coordonnatrice de FinTech. Bonjour. Bonjour, bonjour Georges. C'est un plaisir d'être sur ce plateau pour parler justement de cet événement FinTech Haïti, la troisième édition. Troisième édition. Et vous êtes accompagné de deux personnalités qui vont intervenir dans le cadre de cette activité, de cet événement plutôt. C'est Hans-Valéry Fevry. Bonjour. Bonjour Georges et bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio Métropole. Et enfin, Jonathan Laguerre, bonjour. Bonjour Georges et bonjour à tous les auditeurs et spectateurs de Radio Métropole. On l'a déjà dit, on l'a déjà vendu d'une fois. D'ailleurs, c'est la troisième édition de FinTech, mais on ne le dira jamais assez. C'est quoi FinTech? Eh bien, et FinTech Haïti, c'est une composante justement du sommet international de la finance organisé depuis tantôt 8 ans par le groupe Croissance. Et justement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et cette année, c'est vraiment la troisième édition de FinTech. Et FinTech est composé d'une série de présentations live et de panels pour discuter tout ce qui est technologie appliquée à la finance. Donc, cette année, et contrairement aux deux premières éditions... Donc, excusez-moi, FinTech, c'est une jonction de finance et technologie. Finance et technologie, FinTech. Exactement. D'accord, oui. Allez. Donc, cette année, on va avoir, je dirais, une programmation très riche, plus riche que les deux premières éditions. Et le thème principal pour cette année, c'est la cryptocurrency. Et c'est quoi la... cryptocurrency. Bon, et personnellement, je ne suis pas experte en cryptocurrency et je profite justement de ce plateau pour pouvoir inviter les téléspectateurs et auditeurs à venir justement écouter les différentes présentations et panels qui seront effectués sur ce sujet. Mais ce que je peux dire, c'est que la cryptocurrency, c'est justement une monnaie électronique et c'est assez nouveau. Et pour Haïti en particulier, mais c'est quelque chose dont on parle et à travers le monde et depuis un moment. Donc je pense c'est un aspect de la modernisation. Exactement. Donc je pense que c'est une opportunité pour nous en Haïti. On doit en parler. On va essayer de comprendre ce que ça peut avoir pour nous comme conséquence et quels sont les éléments qu'il nous faut et avoir en termes d'infrastructure pour pouvoir avoir cette technologie et l'utiliser à bon escient ici en Haïti. Voilà, pour faire son appropriation. Absolument. Et je l'ai dit, vous êtes accompagné de deux intervenants qui se sont déjà présentés. Hans-Valéry Fevry, votre intervention portera sur l'intelligence artificielle, son influence sur les finances, c'est ça? Exactement. Donc en gros, d'abord, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Donc l'intelligence artificielle, c'est la science de faire par une machine des tâches dont l'homme utilise son intelligence pour les accomplir. Okay. Donc, en gros, je vais expliquer un peu ce que c'est l'intelligence artificielle et comment on peut utiliser cette technologie dans les finances. Et les impacts, par exemple, seraient d'avoir des services pour chaque individu qui sont mieux adaptés et, par exemple, offrir du crédit et aussi des conseils en temps réel. Donc, imaginons, par exemple, une banque qui a 100 000 clients. Donc, pour le moment, ce serait un peu impossible de donner une offre adaptée à chacun de ses clients en temps réel, pour pouvoir en numérer en tout cas. Donc, avec la machine est capable de comprendre le contexte et offrir une offre bien adaptée à chacun de ces individus-là, et encore mieux, de faire des prédictions. De pouvoir prédire et dire, par exemple, que ce client de cette banque X se trouvera dans une situation, peut-être dans 2 semaines, et pouvoir donner des conseils à l'avance. Donc, en gros, ça, c'est juste une application, mais on a plusieurs applications qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle. Durant l'événement, je vais parler beaucoup plus de ça et je vais donner quelques exemples. Nous ne parlons pas de robotique, non? Non, il y a une grande différence entre robotique et intelligence artificielle. Donc, pensons plus, l'intelligence artificielle, c'est le cerveau. Et robotique, c'est l'aspect physique.
qui utilise l'intelligence artificielle. Donc, en gros aussi, il faut savoir qu'il y a deux types d'intelligence artificielle. On a l'intelligence artificielle faible, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des algorithmes qui peuvent accomplir des tâches bien spécifiques. Par exemple, je suis aussi programme manager à Google et je travaille dans la synthèse vocale. Et c'est ce qu'on utilise pour, par exemple, permettre à Google de pouvoir parler avec vous, pour comprendre la question et répondre aux questions. Donc, ça répond à ça. Alors, c'est comme, par exemple, lorsqu'on va sur son téléphone portable, on fait un clic sur une icône qu'il y a et qui vous demande « Vous avez dit quoi ?» Exactement. Vous êtes capable vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Vous êtes capable de parler à votre appareil et l'appareil est capable de vous répondre. Mais il ne faut pas confondre cette intelligence artificielle faible avec l'intelligence artificielle forte, ou ce qu'on appelle la singularity, où l'intelligence artificielle serait capable d'avoir une conscience et capable de prendre des décisions par elle-même, ce qui n'est pas encore possible. Donc, pour le moment, l'intelligence artificielle peut accomplir plusieurs tâches, mais c'est des tâches qui ont été programmées pour ça. Mm-hmm. Est-ce que dans WhatsApp également, il y a une forme d'intelligence artificielle ? Parce que parfois, il y a un paramètre où l'on clique sur une icône et on dit une phrase et puis ça apparaît à l'écran. Donc pour le moment, je ne travaille pas. Donc, je travaille pour Google et WhatsApp, c'est le concurrent. Ok, d'accord. Je comprends la prudence. Je comprends la prudence. Maintenant, laissez-moi me retourner vers Jonathan Laguerre, dont l'intervention portera sur l'importance de la programmation informatique en finance. C'est ça. Oui. En finance et dans le monde des affaires. Donc, et si on regarde ce qui se passe dans le monde et aujourd'hui, et avec la globalisation et avec la technologie qui. Toutes les industries utilisent la technologie pour réinventer leurs opérations, comme Amazon et comme Wall Street, là où je travaille à JP Morgan, ils utilisent la programmation pour changer la façon qu'ils font les affaires avec leurs clients. Donc, je vais intervenir sur ce sujet et expliquer l'importance de la technologie dans le monde des affaires et comment IT pourrait faire partie de la globalisation en investissant beaucoup plus sur les jeunes et en formant des programmeurs qui pourront participer sur ce mouvement qui se passe dans le monde aujourd'hui, qui est la révolution de la technologie. Donc, et FinTech, je vais revenir sur vous, messieurs, avant la fin de l'émission, avant la fin de cette deuxième partie de l'émission, à quoi s'attendre durant ces deux journées ? C'est aujourd'hui et demain, FinTech. C'est exactement ça. Donc, et on aura deux journées, et comme je l'ai dit tout à l'heure, de présentations individuelles, d'une série de présentations individuelles et suivies de panels. Et on aura ce genre de présentation. On aura la présentation de Hans Valérie, on aura la présentation de Jonathan, et on aura d'autres sujets qui sont liés et justement à la fintech, donc tout ce qui est technologie appliquée à la finance et aussi au business. Et on aura plusieurs autres intervenants, je dirais les uns plus intéressants que les autres. On aura M. Patrick Cartier, par exemple, qui est le directeur de l'ESI, de l'École supérieure de l'électronique. Et on aura également des expositions, on aura des partenaires, entreprises, institutions qui vont venir exposer leurs produits et services financiers, fintech. Et également, on aura des démonstrations. On aura deux écoles. On aura l'école 4 Space World qui viendra avec des étudiants, des élèves qui vont venir faire des démonstrations pour nous et au niveau de la robotique. On aura également la faculté des sciences qui viendra aussi faire des démonstrations pour nous au niveau des applications que les étudiants ont développées au niveau de la faculté. Et tout ça, c'est pas payant. Oui, c'est payant. Okay. Et les deux jours sont payants. C'est-à-dire, si quelqu'un veut venir durant tous les deux jours, et il paiera 750 euros pour les deux jours. Et si la personne veut venir durant une journée seulement, elle paiera 500 euros. Mm-hmm. Hans-Valérie Février, nous parlons d'intelligence artificielle, son influence sur les finances. Et comment l'influence, ça se fait comment? Donc, ce que je veux dire, c'est en offrant des services qui seront mieux adaptés pour répondre aux problèmes
au problème de la société, aussi au problème des individus qui utilisent les systèmes financiers. Ce que je pense aussi, c'est que pour qu'Haïti puisse être prêt à utiliser cette technologie, il faudrait passer de ce qu'on appelle en anglais le design by analogy au design by the first principle, qui est le design au premier niveau. Et ce que ça veut dire, c'est que le design by analogy, c'est utiliser un système qui existe et essayer de faire le patching, donc essayer de mettre une technologie qui existe et pour optimiser le système existant. Par exemple, en Haïti, on a beaucoup de succursales. Donc, si on veut faire, si on veut passer du système actuel à un système utilisant l'intelligence artificielle, il faudrait passer un système by the first principle ou au premier niveau où les startups travailleraient avec les banques et pourraient réinventer complètement le système financier, repenser le système financier sans dépendre des succursales et donc tout pourrait se faire à distance, par exemple. Est-ce que c'est un impératif pour Haïti de s'approprier cette technologie, l'intelligence artificielle? Je pense que l'intelligence artificielle, c'est selon moi, ce sera comme une nouvelle révolution, donc comme la révolution industrielle qu'on a eue. Donc, au XXIe siècle, on voit que plusieurs économies investissent beaucoup au niveau de l'intelligence artificielle. C'est bien que un pays comme Haïti s'adapte et se met à jour par rapport à ces technologies-là, parce que ce sera beaucoup plus difficile après de se mettre à jour. Quand nous parlons de technologie, il y a toujours des inconvénients. Quels sont les désavantages de l'intelligence artificielle, si les avantages, il y en a? Ouais. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un système parfait. Donc, le système, par exemple, n'a pas de conscience. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle le self-awareness. Donc, il peut avoir des erreurs, bien sûr, mais il faut savoir aussi que, disons qu'un officier de crédit peut faire une erreur. Pas de possibilité de piratage? Oh, bien sûr, c'est un système technologique, donc il y a une possibilité de piratage, mais si on fait la balance entre les avantages et les désavantages, je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages. Voilà. Alors, et Jonathan, la guerre, si vous voulez ajouter un mot sur votre présentation, c'est aujourd'hui ou demain? C'est demain la présentation. Donc, vous nous direz sur un panel. Je dirais que la programmation est extrêmement importante dans le monde là où on vit. Ansa dit ça, il vient de mentionner l'intelligence artificielle et qu'Haïti devrait participer dans ce mouvement dans les années à venir. Mais pour créer cette intelligence-là, il faudrait avoir des programmeurs, il faudrait avoir des experts et qui pourront construire ces applications. Donc, si je devais ajouter quelque chose, je dirais que la programmation est importante et va finir par toucher tout ce qu'on fait dans le monde et là où on vit, que ce soit en affaires, que ce soit en santé, en médecine, et que nous devons continuer à investir et à trouver des moyens pour créer des talents en programmation en Haïti. Alors, c'est sûr qu'en tant qu'expert, en tant que professionnel, vous avez scruté le marché. Est-ce que le monde des affaires en Haïti est très en retard par rapport à la technologie? Et je dirais que le monde en Haïti est un peu en retard. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, si on voit par exemple le système bancaire et la façon que les banques exécutent leurs transactions, c'est un peu en arrière. Si on prend des pays comme les pays de l'Afrique, par exemple, ou bien les pays de la Caraïbe, et on peut voir qu'ils ont plus de technologie dans leur système et pour permettre aux clients d'exécuter leurs transactions. Donc, ça, c'est un retard en technologie. Donc, je dirais qu'en Haïti, la majorité des entreprises sont un peu en retard en ce qui concerne la technologie. Mais ça peut s'améliorer. Ça peut s'améliorer s'il y a beaucoup d'investissements qui se font sur ce sujet-là. Voilà. Et Cathy Flore Fizemé, je vous laisse le dernier mot parce que vous êtes très pressée. Hein. Absolument, parce que peut-être les gens qui sont intéressés à la fintech et le savent, on doit commencer aujourd'hui à 10h et on essaie vraiment de ne pas être en retard, de commencer vraiment l'événement à 10h. C'est au Caribe. Je voulais justement mentionner ça, c'est au centre de convention et de documentation de la BRH, c'est en ville. Et je voulais aussi ajouter
Dans la programmation, il y a quelque chose de très important, une innovation que, avec laquelle on est venu cette année par rapport aux deux premières éditions de la FinTech. C'est que cette année, on a décidé d'organiser un hackathon dans le cadre de la FinTech. Pour ceux qui ne le savent pas, et un hackathon, c'est une compétition et des programmeurs informatiques s'affrontent entre eux pour développer un prototype et qui doit répondre soit à un cahier de charge ou à une problématique dans un secteur donné. Donc, dans le cadre de la FinTech, nous avons décidé de faire un partenariat avec plusieurs institutions et entreprises pour que des développeurs, des équipes de développeurs puissent justement travailler sur des prototypes et qui doit répondre à des besoins qu'ils ont identifiés chez eux. Donc, dans ce cadre-là, nous avons trois partenaires. Nous avons Rebo, nous avons Grana et nous avons la BRH avec lesquels nous travaillons. Et il y a une trentaine de développeurs qui sont actuellement en train de travailler depuis lundi matin. Et ils sont restés sur place et pour dormir, justement, pour pouvoir continuer à travailler sur leur application. Et ils doivent présenter le résultat de leur travail ce samedi après-midi, justement devant un jury qui sera composé de personnes qui doivent venir de ces institutions-là. Donc, c'est eux qui seront chargés de choisir le meilleur prototype selon eux et qui devra être implémenté et chez eux. Merci, monsieur, dame. Tout a dit? Ou presque tout? Une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que... La FinTech, c'est toute une équipe. Nous avons toute une équipe extraordinaire qui travaille dessus. Et actuellement, ils travaillent d'arrache-pied et au niveau du centre de convention pour pouvoir justement faire de cet événement une réalité. Et je profite de ce plateau pour les saluer et les remercier de leur dédicace, de leur engagement et pour la réussite de cet événement. Hans, Valérie Février et Jonathan Laguerre, bonne intervention, messieurs. Merci. Merci. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Restez branchés. La troisième partie de l'émission, c'est tout de suite après la pause avec d'autres invités qui vont nous parler du Bitcoin.